Ce début d'automne 1993, Nancy a donné rendez-vous aux participants du Congrès fédéral des sapeurs-pompiers, centième du nom. Plus de 260 exposants se sont partagés les 38 000 m² du parc des expositions. Installation des stands juste à temps pour assister à la cérémonie d'accueil organisée par le colonel Modéré, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Meurthe-et-Moselle. Vers 10h débute l'inauguration officielle du congrès. Le traditionnel ruban est coupé par le colonel Bernard Janvier, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, accompagné du colonel Modéré et des élus locaux. Non moins traditionnelle, à la découverte de tous les exposants, où même l'art n'a pas été oublié, avec le vernissage du 5e salon des peintres et sculpteurs sapeurs-pompiers. Trois jours, nos collègues sapeurs-pompiers venus des quatre coins de l'Europe participeront à des manœuvres spectaculaires dans la cour d'honneur. Mais le congrès est aussi studieux et les commissions de travail se succèdent dans les différentes salles. Les nombreuses réunions des préventionnistes démontrent combien ce sujet était au centre des préoccupations cette année. Point fort également, le carrefour des sapeurs-pompiers volontaires qui animera la salle Stanislas, salle qui recevra ensuite le festival de l'image sapeurs-pompiers et la remise des trophées. Le samedi, les Nancéens empliront les allées de l'exposition tandis que le président Bernard Janvier répond aux questions de la presse au cours d'une conférence. Monsieur Charles Pasqua, ministre d'État et ministre de tutelle des sapeurs-pompiers, honorera de sa présence ce samedi après-midi.
liberté, dévouement qui peut aller jusqu'à l'abnégation, esprit de discipline, d'équipe et de sacrifice. Le corps des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ne lutte pas seulement pour la protection des biens et des personnes. Nullement découragés par la pluie, les Nancéens assisteront fort nombreux à la revue et au défilé place Stanislas. Après une aubade des fanfares sapeurs-pompiers et les remerciements d'usage aux autorités, le rendez-vous est donné à Brest en 1994.